Je vais commencer par une petite introduction en vous disant que le miel, premièrement, est un aliment naturel, est un aliment vivant, naturel puisqu'on ne peut pas le fabriquer. C'est pour cette raison que vous avez le terme naturel. Vivant, tout simplement parce qu'il subit des transformations. Vivant parce que, tout simplement, donc il subit des transformations. Et bien, c'est pour cette raison que le qualificatif vivant donc, a été donné. Il est synthétisé par l'abeille. Et ben, il est synthétisé par l'abeille. Ce n'est pas n'importe quelle abeille. Et ben, c'est une abeille qui appartient à un genre bien spécifique, à une race aussi bien spécifique, à partir de substances donc sucrées. Vous avez deux substances sucrées à partir desquelles le miel est synthétisé, soit le nectar, et ben, soit le myelat, qu'on va voir donc par la suite. Auparavant, le miel c'était le seul édulcorant donc avant l'apparition de la betterave. Ou bien donc de la canne sucrière. La ruche ne produit pas seulement donc le miel, mais aussi d'autres produits qui ont beaucoup d'intérêt, qui ont beaucoup de propriétés. En ces temps, bien sûr, donc vous avez donc la gelée royale. Il y a la gelée royale, il y a donc la cire. Vous avez donc le pollen, vous avez la propolis, vous avez le venin. Chacun de ces produits a sa composition qui est bien spécifique, mais aussi ses propriétés. Mais le miel demeure toujours le produit le mieux connu du grand public et le produit le mieux connu comme étant produit donc, de la ruche. Le miel a une définition donc légale. On voit très bien dans sa définition eh ben, l'insecte qui le synthétise, à partir les substances à partir desquelles le miel est synthétisé, donc, mais aussi la manière avec laquelle le miel est synthétisé. Donc, le miel est une substance synthétisée par Apis mellifera. Et cette Apis mellifera, donc, à partir de soit du nectar de plantes ou bien des excrétions laissées sur celle-ci par des insectes suceurs. Et c'est l'exemple évident, c'est le puceron. Qu'elle butine, ça veut dire qu'elle cherche à l'extérieur, qu'elle transforme, puisqu'il y aura certaines réactions enzymatiques qui vont transformer le saccharose en glucose et fructose. Et qui les combine avec des matières spécifiques propres, parce que l'abeille va ajouter certains enzymes, et bien certains composants à l'intérieur de ces substances transformées. Elle dépose, puisqu'elle doit les lisser, déshydrate, elle enlève l'humidité, et entrepose et laisse mûrir dans les rayons donc, de la ruche. Donc c'est pour cette raison, quand je dis miel, ça veut dire que c'est un miel qui est naturel, qui est synthétisé par l'abeille ouvrière. Tout à l'heure, je vais vous parler sur un miel artificiel. Ça veut dire que l'homme peut synthétiser au laboratoire, mais il n'est jamais de la même composition que le miel naturel. Et c'est la photo, les trois individus essentiels de la ruche. Vous avez la reine, qui est toujours essentielle, elle est longue. Vous avez le mâle qui est trapu. Et vous avez bien sûr donc l'abeille donc ouvrière. C'est elle qui veille le moins et c'est elle qui fabrique essentiellement le miel. Dans la race Apis, il y a plusieurs races, il y a quatre races, mais c'est seulement Apis mellifera qui est domestique, qui peut être domestiqué et qui produit une grande quantité donc du miel. On voit très bien donc les tâches des abeilles donc ouvrières lorsqu'elles naissent donc elle est nettoyeuse. Après, elle est nourricière puisqu'elle synthétise la gelée royale. L'abeille ouvrière synthétise la gelée royale. Elle le donne pour la reine et elle ne peut pas consommer la gelée royale. Elle est cirière, donc c'est elle qui synthétise la cire. 19-21 jours, elle est gardienne, elle est ventileuse, elle est magasinière. Et c'est seulement à partir de 22e jour qu'elle puisse sortir à l'extérieur pour récolter l'eau, pour récolter la propolis, pour récolter le nectar et pour récolter aussi donc, le myelat. C'est ce qu'on appelle ici donc butineuse. Vu qu'elle se fatigue, vu qu'elle fait plusieurs kilomètres pendant la journée, un rayon de 3 à 3 kilomètres, et ben c'est pour cette raison que sa durée de vie donc elle est limitée jusqu'à seulement 40 jours. Les origines du miel. D'ailleurs, on peut l'appeler un miel de nectar ou bien un miel de myelat. Mais c'est rare de trouver les deux séparément, soit un miel de nectar ou bien un miel de mélange de nectar et de myelat. Donc, le nectar est une substance sucrée dans le nectar, qui existe soit les nectars floraux, soit extrafloraux. Le myelat, par contre, le myelat, donc, c'est des insectes qui piquent un petit peu donc, la plante.
elle suce donc la sève. Cette sève, donc, elle va bénéficier de ses protéines, de ses glucides, etc. Le reste, qu'elle va pas bénéficier, elle va le déposer, eh ben, sur les feuilles de certains arbres. C'est ce qu'on appelle le mila. Et l'abeille va, après, un petit peu le récolter. C'est pour cette raison, les origines du miel aussi, c'est double. C'est un aliment végétal, parce que vous avez le nectar et le mila. C'est un aliment animal, tout simplement parce que l'abeille ouvrière, elle participe, mais aussi elle ajoute des choses à l'intérieur, et vous avez donc l'intervention de ces insectes. Ici, quelques exemples de pucerons. Vous avez le puceron vert qui peut fabriquer donc le mila. Vous avez la citadelle qui peut aussi donc fabriquer le mila. Et vous avez donc la cochinée farineuse qui dépose un petit peu certaines gouttelettes sucrées que les abeilles puissent un petit peu donc récolter. Et ben, dans la formation, lorsque l'abeille prend cette substance sucrée, elle va être régurgitée dans le jabot, c'est-à-dire dans l'estomac donc de la ruche. Elle va transformer premièrement donc le saccharose en glucose et fructose. Pourquoi le saccharose? Tout simplement parce que les substances sucrées récoltées sont riches en saccharose. Donc d'où la transformation du saccharose en glucose et fructose. Donc vous avez l'hydrolyse du saccharose, et la matase. Vous avez l'ajout d'enzymes. Donc les abeilles ajoutent aussi des enzymes à ces substances donc sucrées. Et j'ai mis après donc le phénomène de trophallaxée. Trophallaxée, ça sous-entend que ce n'est pas une seule abeille qui synthétise le miel, mais plusieurs abeilles, parce que la substance qu'elle va récolter à l'extérieur, elle va la donner à l'intérieur de la ruche, à une bouche d'une abeille. Cette abeille, elle va lui ajouter des substances spécifiques. Elle va encore transformer le saccharose en glucose et fructose. Et elle va la faire passer dans une bouche d'une autre abeille. Et ainsi de suite. C'est pour cette raison. Donc vous avez le phénomène de trophallaxée. La maturation, elle consiste tout simplement à enlever l'excès d'eau. Parce que généralement, le nectar et le miel sont riches en eau, et bien cette teneur doit être minimum 18%. Et comment il y aura évaporation de l'eau? Grâce à des abeilles ventileuses, il y a des abeilles à l'intérieur de la ruche, et bien qui battent un petit peu les ailes pour faire évaporer de l'eau, mais aussi la température de la ruche, parce que généralement pendant l'été, vous savez très bien la température est 35-36, ça aide un petit peu donc à la maturation donc du miel. Quand je dis miel non mûr, c'est un miel non mûr, ça veut dire il n'est pas, le phénomène de trophallaxée n'est pas complet, ça veut dire que l'eau, il est en excès, 25%, 30%, c'est pour cette raison qu'on peut trouver l'appellation de miel non mûr. Mais quand il est mûr, généralement, vous avez déjà une teneur en eau qui est, en général, qui est donc supérieure, pardon, inférieure à 18%. La récolte, c'est après une millée. La millée, c'est le fait qu'il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nectar. Au mois de juin, généralement, la chaleur, il y a un petit peu, ça commence un petit peu, une petite justesse. Donc, il n'y a pas de nectar, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de floraison. Et ben, c'est pour cette raison, généralement, on récolte le miel après une millée et après opérculation des trois quarts des alvéoles du cadre de cire. Et c'est, par exemple, c'est tout le cadre qui est operculé. Il y a une couche de cire qui est mise donc sur le cadre de miel, et ben c'est pour cette raison que vous avez cette operculation. Parfois les abeilles n'ont pas le temps de parculer, et ben elles n'operculent pas, mais le miel est mûr. Si je prends le cadre, premièrement il est lourd, et deuxièmement si je le renverse comme ça, le miel ne s'écoule pas. Et ben aussi c'est mûr. Mais en général, vous avez l'operculation de ces cadres de cire. Pour qu'on puisse obtenir un bon miel de bonne qualité, déjà bien, il est bien, il va plaire pour le consommateur. C'est pas bien de faire une pression donc à la main. Et il faut utiliser donc l'extraction. Et l'extraction, premièrement, elle va régénérer ses cadres pour une utilisation ultérieure. Et deuxièmement, ça permet d'obtenir un bon miel qui est pur et qui est bien sûr propre après avoir désopérculé ce dernier. Dans la composition du miel, vous avez deux éléments majeurs dans la composition. Vous avez les composants majeurs, qui sont les glucides et l'eau. Vous avez des composants mineurs.